Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Genuine Girl. Aujourd'hui, je vais vous faire un tag, donc c'est le Shopaholic Tag, acheteuse compulsive. Alors, c'est Grace Bayage qui m'a tagué. Salut Grace. Donc, je commence par la première question. Te considères-tu comme une Shopaholic? Donc, non. Et oui, ça peut paraître étonnant vu que je vous ai fait quelques hauls précédemment, mais non, parce qu'en fait pour moi, voilà, j'achète pas de façon compulsive, je réfléchis toujours, toujours avant d'acheter. Parfois je repasse même plusieurs fois dans le magasin, j'attends limite un mois pour acheter un article, tous les achats que je fais sont réfléchis, et donc voilà, j'estime quand même pouvoir me maîtriser, contrôler mes pulsions. Et je me fais plaisir, mais je me ruine pas. Je pense d'abord ben voilà, à payer mon loyer, manger. Et voilà, tant que j'arrive à maîtriser tout ça, j'estime que je ne suis pas une acheteuse compulsive. Question numéro 2, comment définirais-tu ton style? Alors ben voilà, comme aujourd'hui, sportwear en ce moment. Alors c'est juste provisoire, parce qu'en ce moment j'ai pas envie de me prendre la tête. Vu que je change tout le temps de taille, je ne vais pas mettre mes petites chemises, mes petits hauts. Je mets des trucs en fait qui vont, quelle que soit ma corpulence, qui s'adaptent en fait. Comme ça j'ai pas à réfléchir le matin. Et donc voilà, en ce moment je porte un t-shirt H&M par exemple, tout simple, avec souvent c'est uni avec une inscription, mais pas des petits motifs sauf les cœurs, parce que j'adore les cœurs, enfin bref. Donc je vais... Excusez-moi, je me fais rire moi-même. Alors en fait, je mets souvent des leggings en bas avec une tunique qui recouvre les fesses, bien sûr, heureusement. Mais souvent quelque chose de court, soit un peu loose, mais pas trop, soit moulant, un petit peu décolleté quand même, ça reste quand même un petit peu sexy. Donc je sais pas comment ça s'appelle, je dirais casual. Je sais pas, sportswear, casual, quelque chose comme ça, avec des petites baskets assez simples ou des bottes, mais jamais très 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 classe. Voilà, décontracté, sexy décontracté, je dirais. Il fallait un quart d'heure pour définir mon style, enfin bref. Alors, question numéro 3, quel magasin ne peux-tu pas quitter sans y acheter quelque chose? Franchement, je dirais aucun. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, la première question, j'arrive à me maîtriser. Il y a des magasins où j'achète souvent, comme par exemple Kiko, mais avant les soldes, admettons, j'ai pu y retourner plusieurs fois sans rien acheter. Si y a des produits qui me plaisent, mais sans plus, je vais pas les acheter. Encore une fois, j'achète seulement au coup de cœur et je mets tout ce que j'achète, vraiment, ça je précise, je mets tout ce que j'achète. J'ai beau avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je porte tout le maquillage que j'achète, etc. Les fringues aussi. Et puis, c'est quoi la question déjà? Quel magasin? Oui, peut-être H&M à la limite, et encore, H&M ça m'arrive des fois pendant 3 mois d'y aller une fois par semaine et de rien acheter, donc franchement oui, il y a des magasins où je vais trouver souvent des choses, donc je dirais H&M, Kiko, New Look, mais encore une fois, je peux très bien y rentrer, faire un tour et ne rien acheter. Ensuite, question numéro 4, où trouves-tu les meilleures bonnes affaires? Je dirais, bon, en ce moment c'est pas facile parce que j'irai plus sur internet en fait, parce que dans le magasin je trouve que tout augmente. Kiko, en ce qui concerne le maquillage, ça reste quand même raisonnable. Donc j'irai pour le maquillage Kiko en magasin. Sinon, sur le net, je sais pas, des magasins. Enfin, il y a des sites, ça me revient pas forcément là à l'esprit. Peut-être Moon Graffiti. Moon Graffiti, c'est pas mal. Ils font pas mal de. Enfin, je sais pas si c'est du déstockage qu'ils font, mais il y a pas mal de produits de marque pas chers. Ouais, Moon Graffiti, c'est ce qui me vient à l'esprit. Au pire des cas, je vous mettrai une annotation avec les sites sur lesquels je vais souvent. Alors, ensuite, question numéro 5. Pour quel designer es-tu prête à faire des folies? Aucun. Voilà, parce que. Je suis quelqu'un, en fait, moi les designers, je les connais à peine en fait, sauf les très très connus, donc là c'est très très cher. Mais par exemple, Abercrombie, c'est un nom que je ne connaissais pas il n'y a encore pas si longtemps. Franchement, des fois dans les ventes privées, ça m'arrive de me faire plaisir. Par exemple, ces derniers temps, je me suis acheté deux sacs Steve Madden. Steve Madden, c'est pareil, un designer que je connaissais à peine il y a quelques mois. Mais c'est même pas des folies quoi. C'est-à-dire que le sac, je vais l'acheter au prix d'un sac H&M par exemple. Parce qu'il est vraiment, vraiment, mais vraiment bien, bien, bien réduit. Donc voilà, non, je fais pas de folie en fait. J'achète en quantité pas mal de choses pas chères. Mais il n'y a pas un designer qui me donne envie de dépenser 100 euros, 200 euros, 300 euros. Alors, question numéro 6. As-tu une tenue idéale pour faire du shopping? Alors, ben, celle que je porte actuellement, on ne voyait pas le bas. En fait, c'est un bas genre, peut-être pas un jogging large et tout, mais je veux dire, c'est un bas décontracté, soit un legging, soit
un jogging, mais quand même, on va dire, resserré en bas pour ne pas me donner l'air trop patate, quoi. Bon, là, bon, en ce moment, il fait pas super froid, en tout cas, ici, à Lille, il fait pas super froid. Donc, ça m'arrive de mettre ça, un truc comme ça, avec un gilet ou, comme je vous l'ai dit, une tunique. Enfin, un truc vraiment pas prise de tête, qui s'enlève facilement. Remarque, j'essaie quasiment pas mes fringues. En général, je scanne, en fait. J'ai des yeux qui sont paramétrés pour ça. Je regarde la coupe, je vois si ça me va. Je me mets devant un miroir, je cale bien au niveau des épaules. Enfin, tous les endroits un peu critiques qui peuvent coincer parfois les épaules, les hanches. Et franchement, c'est très très rare que je ramène un article. Déjà, je vérifie bien que le magasin fasse des remboursements ou des échanges. Et je ramène si ça ne va pas, mais c'est très très rare. Donc, j'irai une tenue décontractée pour faire du shopping, en gros. Question numéro 7. Quel est ton péché mignon hors maquillage? Je dirais les chaussures. Parce que les fringues, en ce moment, je n'en achète plus beaucoup pour les raisons que je vous ai évoquées précédemment. Et puis, ben, les chaussures, c'est quand même quelque chose, un accessoire pour moi qui est incontournable pour une femme. Une femme ne peut pas avoir que deux paires, une d'été, une d'hiver, c'est pas possible, enfin pour moi. Même quand on n'a pas beaucoup d'argent, au moins s'acheter des chaussures, je sais pas moi, dans les magasins cheap. Enfin, c'est. Pour moi, c'est obligatoire, c'est même plus important que d'avoir de multiples fringues. Je préfère avoir toujours de multiples chaussures pour changer. Chaussures. Bref. Donc oui, donc les chaussures. Alors ça peut être des petites baskets que j'achète dans les ventes privées. Des baskets de marques, pas luxueuses, hein, mais je veux dire de marques. Je trouve ça des fois à prix cassé sur les sites de revente privée et ventes privées surtout. Ça peut être ouais, des bottes motard en ce moment, je suis à fond dedans. Que je trouve sur Asos, Zalando, enfin voilà. Donc c'est vrai que ouais, en une année, ça m'arrive quand même d'acheter des fois jusqu'à 10 paires de chaussures, voire plus. Donc voilà, c'est jamais cher, mais bon, c'est un peu abusé. Donc je dirais effectivement que c'est un péché mignon. Question numéro 8, quel est le vêtement de base dont tu ne peux te passer? Alors le legging, sans hésitation, c'est. Pardon, un vêtement pour moi en fait bah de base, hein, comme le dit si bien la question, qui va avec tout, surtout le legging noir. Ça va avec, je sais pas moi, un haut plutôt classe, ça va avec un truc super décontracté, ça amincit, ça flatte, je trouve les courbes généreuses. Ça dépend dans quelle matière on le prend. Hein. Si c'est matière trop moulante et qu'on voit les défauts de la peau, c'est pas terrible. Mais je veux dire, ça a tendance quand même à amincir en général. Ça va avec tous les types de chaussures, des escarpins, des baskets, des bottes, voilà. Et pour moi, bah, c'est super confortable surtout, quoi. C'est voilà, moi qui fais la rétention d'eau, des fois je me retrouve avec 3 kilos d'eau autour de la sangle abdominale. Voilà, si je sors un jean qui m'allait la veille, des fois il peut ne pas fermer. Donc moi je me prends pas la tête le matin, je prends mon legging, ça me va à tous les coups. Et voilà, c'est super pratique à enfiler et à enlever, quoi. Ensuite, je sais plus où j'en étais. Ah oui, une question numéro 9. Quelle est la tendance que tu espères ne jamais passer de mode? Bah, les leggings, parce qu'à un moment donné, c'était. Il y a très longtemps, c'était à la mode. C'était surtout des caleçons. C'est quand j'étais au collège, ça. Donc, il y a, on va dire, oui, genre 15 ans. C'était super à la mode. Après, c'est complètement passé. Ça ne faisait pas du tout de mettre quelque chose de moulant. Enfin. C'était complètement passé de mode, c'était que jean et pantalon. Et là, c'est revenu, et ça fait des années que c'est à la mode à nouveau les leggings. Donc j'espère que ça ne passera jamais. Parce que pour l'instant, ça m'arrange trop de pouvoir m'habiller que comme ça et de ne pas être dévisagée. Donc voilà. Ensuite, question numéro 10. Quelle tendance aime. Oui, et aussi j'ai oublié. Dans la question numéro 9, les rouges à lèvres flash. Ensuite, question numéro 10. Quelle tendance aimes-tu, mais qui a trop vite disparu? Bah, tout ce qui est fluo. Je suis quelqu'un qui aime bien l'extravagance, les choses qui flashent. Faut que ça se voit, sinon c'est pas la peine. Enfin, des fois je mets du nude, c'est vrai, mais c'est tellement rare. Je préfère vraiment tout ce qui est flashy. Et ces derniers temps, il me semble cet été, peut-être l'été d'avant, il y avait pas mal de choses floues dans les magasins, des accessoires, des choses flashy avec des cœurs aussi. Oui, la mode des cœurs aussi. J'aimerais qu'elle ne passe jamais parce que je suis une femme enfant, ça fait des années que j'adore les cœurs. Bon, évidemment, je me balade pas avec une tenue avec des cœurs la tête aux pieds, hein. C'est par petites touches, mais je trouve ça super mignon et j'aimerais que ça ne passe jamais de mode. Question numéro 10, quelle tendance. Non, ça j'ai déjà dit. Qui a trop vite disparu, non, je me.
Ouais, les cœurs, non, c'est encore à la mode, non, non, oubliez. C'est plus tout ce qui est fluo, voilà, j'ai l'impression que ça commence déjà à disparaître. Ensuite, question numéro 11, qui est ton icône en matière de mode? Personne en particulier, je suis pas du tout à fond dans le star system, je regarde à peine la télé, à peine les journaux à scandale. Donc je sais même pas comment on se habille les stars, je sais même pas comment on se habille les actrices hollywoodiennes. Tout ce que je veux vous dire, c'est que moi je m'inspire souvent de ce que je vois dans le métro. Donc mes icônes de mode sont les usagers, tout simplement, hommes et femmes, hein, parce que moi je m'inspire, pardon, pas mal du style aussi masculin. Oui, c'est ça. Les gens qui passent dans la rue, dans le métro, j'observe leur tenue et je regarde les associations et je m'en inspire pour trouver moi-même de nouveaux styles, etc., etc. Voilà, donc le tag est terminé. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire. Je n'ai pas de nom qui me viennent là, de personnes à taguer. Donc faites-le si vous en avez envie. C'est un super tag très amusant. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et journée. Bye bye!